Salut tout le monde, c'est Unboxing IFR pour une toute première Bosson machine. Donc dans cette vidéo, on va faire un double unboxing de produits Nike. Donc des claquettes, des flip-flops et des URH. Donc que j'ai acheté il y a environ 2 ou 3 jours. J'ai porté quelques fois. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les claquettes parce que il n'y a pas d'emballage. En fait, c'est juste une petite affaire là. J'ai enlevé. Donc des claquettes Nike, nouvelle édition 2018. Édition Just Do It. Donc, comme vous pouvez voir, voilà. Claquettes Nike. Très très simple. Il y a plein, en fait il y a marqué plein Just Do It ici. C'est l'édition Black and Black. Donc c'est juste son tout noir. Voilà le dessous. Ok, là j'ai pas d'éclairage parce que c'est ma première vidéo. Je vais bientôt acheter des éclairages. Je suis là avec mon téléphone iPhone 8. Fait que là j'ai juste l'éclairage du soleil. Mais c'est bien. Donc on va mettre ça ici. Maintenant, place au URH. Boîte Nike. Voilà. Je prends du 11 dans l'URH, pas du 11. Parce que je vais faire un petit anecdote si vous l'achetez l'URH. Donc c'est les URH 2018. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir. URH. Nike à l'arrière. Donc c'est les 2018 édition peau de crocodile. Parce que comme vous pouvez voir ici, c'est comme de la peau de crocodile. Black and black encore. Et aussi, c'est la seule paire où c'est marqué en or le Nike. Et voilà. Le dessous, beige. Voilà. La deuxième. Voilà. Donc, sur ces souliers-là, si vous en achetez, ils m'ont coûté 145 plus taxes. Ça fait, je pense, 185 ou 165. Donc, c'est pas un bon prix. J'ai acheté chez Foot Locker. Voilà. Et en fait, dans ces œuvres, vous devez toujours prendre une grandeur au-dessus de votre grandeur ou deux, peut-être. Parce que vous pouvez voir ici, c'est comme renforcé. Ben, vous perdez tout ça. Enfin, vous perdez environ ça de grandeur. Donc, si vous l'achetez du URH. Vous pouvez prendre une grandeur au-dessus. Et il y avait des rouges, toutes rouges, blanc, toutes noires. Et il y avait ceux-là. Et il y avait aussi d'autres avec comme des motifs de plein de couleurs. Eux autres, j'ai payé environ 185 avec les taxes. Et les claquettes Nike, je les ai payé environ, je pourrais vous dire, je pense que j'ai payé 30$. Plus les taxes, ça faisait environ 35-40. Donc voilà, ça va m'acheter. Donc là, je vais tout simplement faire une coupure et je vous retrouve après. Je vais les mettre dans mes pieds pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, je vais la couper.